bien bonjour tout le monde, c'est Marius. On se retrouve sur la mer, hein, en bateau. Et comme d'habitude, je suis toujours avec le seul et l'unique Mam, Marc-André Mounier. Bien entendu, on est en chasse sous-marine. Alors pour rien vous cacher, on a déjà fait quelques apnées, on a déjà attrapé pas mal de poissons. Je vais vous montrer les images juste après. Pardonnez un peu mon énergie, je suis un petit peu malade, ça s'entend un peu à ma voix. Mais bon, programme d'aujourd'hui, plein de poissons, des eaux franchement poissonneuses en plus. Programme varié, des zones de roches qui sont pas très jolies, mais on peut avoir des grosses bêtes. Eh oui. Là, on va tenter des roches un peu plus jolies avec des laminaires, de l'eau plus claire. Donc, programme varié avec plein de choses. C'est ce qu'on aime. On a une belle épave tout à l'heure, très très belle épave, grande épave. Donc voilà à peu près le programme. Bon, vous allez voir, j'ai déjà des très belles images à vous partager. J'ai déjà fait quelques poissons et on a vu quand même beaucoup. Donc déjà, on en a pris plein les yeux. Et donc, on est qu'à la moitié de la sortie. Donc, ça s'annonce de bon augure. Alors bien sûr, il y a trois clients à Marc-André qui sont déjà dans l'eau, parce que Marc-André il est moniteur de chasse sous-marine. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de son site internet en description partout. Donc n'hésitez pas, hein, c'est super, on sait qu'on s'amuse bien, de toute façon vous allez voir dans la vidéo, c'est qualitatif. Voilà voilà, trêve de bavardage. Moi je vais aller rejoindre les gars et puis on va essayer d'attraper d'autres petits poissons. Et on a commencé la journée sur des fonds légèrement rocheux, mais les poissons se sont fait attendre pendant plusieurs apnées. On est clairement ici sur des zones simplement de passage, donc si on a la chance de croiser les poissons, c'est jackpot, sinon on voit pas grand chose. Mais la chasse sous-marine, c'est comme pour tout, il ne faut jamais perdre espoir. Alors je continue d'insister sur ce spot qui est quand même assez prometteur. Et j'ai le malheur de tourner la tête au mauvais moment. C'est un bar suivi de trois mulets qui me passent à portée. J'aurais pu tirer un mulet, mais je me suis dit que peut-être d'autres poissons suivraient. Mais bien sûr, rien n'est suivi et j'ai perdu une belle occasion. Changement de zone, cette fois-ci on est dans une zone un peu moins profonde, d'à peu près 4 à 5 mètres de fond, et il y a beaucoup de blocs rocheux avec pas mal de petites crevasses où les poissons viennent s'y réfugier. Donc faut vraiment prospecter dans ces trous, et regarder sur quoi je tombe. Là il y a un très beau congre qui sort la tête, j'en aperçois un deuxième qui s'en va, et là, oh, le bar. J'ai voulu le tirer, mais il a giclé trop rapidement. Un peu dégoûté, je vous le cache pas, d'avoir loupé ce bar. Du coup, je décide de regarder un peu plus profond dans les crevasses, voir s'il n'y en a pas un deuxième. Mais je n'en vois pas. Et du coup, je vais aller titiller un peu les congres. Alors, c'est des poissons qu'on peut tirer, hein, bien sûr. Mais honnêtement, c'est assez compliqué. C'est très costaud comme poisson. Ça peut abîmer votre matériel. Et pour les sortir comme ça des crevasses, c'est un peu chiant. Donc là, je m'amuse simplement à les titiller, à les regarder. C'est des très jolis poissons. Et je vais faire le tour du caillou, voir s'il n'y a pas une autre crevasse qui réserve de belles surprises, et regarder sur quoi je tombe. Le bar était là tranquillement à m'attendre, et je l'ai pas vu. Dommage. Il y a du bar ici, hein. Il y a un trou avec des barres, là. Après plusieurs apnées qui n'ont rien donné dans les alentours, je décide de revenir sur ce premier caillou où j'avais aperçu les congres pour voir s'il y avait d'autres poissons intéressants. Et dans le caillou, j'aperçois quoi? Une tête de bar. Mais il rentre aussitôt. Alors je m'approche un peu plus pour essayer de l'apercevoir, mais je ne le vois pas. Je décide de ne pas insister, je remonte à la surface pour bien me ventiler et préparer une seconde apnée pour le trouver. Après m'être bien préparé, j'y retourne. Je regarde aussitôt dans le trou où je l'ai aperçu, mais je ne vois rien. J'attends un peu, je veux insister parce qu'on sait jamais. Je vais me rentrer un peu la tête pour voir dans un peu plus en profondeur. Mais non, pas de poisson. Changement de stratégie, je vais contourner le caillou pour essayer de voir s'il n'y a pas un autre trou. Et là, je vois un trou. Et le bar, il est là, il passe, hop, et je tire.
Et aussitôt, il faut absolument immobiliser le poisson. Donc je vais le chercher, je l'attrape pour pas qu'il rentre dans le trou avec la flèche. Et donc vraiment, faut bien la gripper, le sortir, c'est pas évident. Et comme ça, j'arrive à le sortir et c'est un très joli bar. Poisson! Bien sûr, dès qu'on attrape le poisson, on sort le couteau et je le tue, tout en le saignant pour vraiment qu'il se vide de son sang pour préserver la qualité de la chair, c'est très important. À l'instant, là, dans le trou, juste en dessous le bateau. Il y a des cons au gros dedans aussi. Ah oui, trou, c'est il... dans la vue, ça. Non, il a fait un trou aussi. Ah, c'est un trou, ouais. Oh là-bas. Eh ben, premier poisson. Attends, tu vois. Un bar qui fait 55-60 cm, ça reste un bar de taille moyenne, mais ça fait plaisir quand même. Il était à trou, c'est dans un trou, il y avait des congres également. J'ai fait une apnée où je l'ai vu juste de sa tête, j'en ai refait une seconde, il y était, j'ai tiré dans une petite fenêtre. Bien content. Avec mon bar, Marc-André va nous montrer comment vider le poisson sans couteau et comment bien optimiser la qualité de la viande. Détacher doucement, même sans couteau, hein. Je monte pour l'info. Même sans couteau, je tire, tac, là, ok, je tourne, et là, je commence déjà à le vider. Je vais pouvoir le sortir éventuellement avec son estomac. On a pu voir qu'il y avait beaucoup de crustacés, et là, je pense qu'il y aura peut-être non un étrille ou un truc comme ça. Voilà, étrille, hein, avec la petite patte derrière, pour nager. Patte nageuse. Par contre, si je fais glisser la fameuse tige inox, eh ben, je vais détruire la moelle épinière. Et en tout cas, on peut détruire la moelle épinière, ce qui fait que la chair va plus se reposer. Donc, je rentre doucement. Ah oui, on voit bien. Tu sens ? Voilà, on met à plat le poisson. Donc là, le poisson, il est bien mort. En fait, c'est des réactions nerveuses de la moelle épinière. Voilà, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire la moelle épinière qui est encore vivante. Et le fait de détruire la moelle épinière fait que tout va se relâcher. Donc, il y aura moins. Au lieu d'avoir des micro-contractions qui peuvent durer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, là, on détruit tout, ce qui fait qu'on a une destruction médulaire, destruction de moelle épinière. La chair se repose plus tôt. Pour la conservation, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là ? Les tissus mous, c'est des nids à bactéries. Alors, je gratte, je brosse. D'accord. La plupart des tissus mous qui sont ici, c'est les reins. C'est mieux de tout bien nettoyer pour comme ça, pour la conservation, c'est largement. Et c'est une question de conservation. Si vous congelez derrière, le poisson il est entier. S'il y a que de la viande et des os et des arêtes, ça va le faire. Voilà. Ça vaut pas cher. On brosse comme ça. Et puis il y a un dernier truc aussi qui est important. Qu'est-ce que c'est ? Le marquage quand même, c'est la seule contrainte qu'on nous demande au niveau du ministère, un petit marquage. Alors c'est-à-dire le marquage, pourquoi faut marquer ? Ça sert à quoi de le faire ? Ils ont estimé que si tous les pêcheurs de loisirs marquent leurs poissons, il y aura moins de braconnage. Donc c'est la même règle pour tout le monde. Alors même si nous on pêche sous-marine, on fait des trous, on fait comme les autres pêcheurs de loisirs. On marque son poisson, c'est l'essentiel, ça nous évite d'avoir un permis. Donc, ça consiste en quoi ? C'est la seule contrainte que nous demande le ministère, si on ne fait pas, on risque 1500 euros d'amende quand même. Aïe. Donc en fait, tu enlèves la partie basse de la queue. Je fais une entaille en fait, en sciant, comme ça. D'accord. Donc je la tortille un peu, quand c'est un peu dur. Bien évidemment, on peut utiliser un sécateur, hein, si on en a un, ou un ciseau, mais là je vous montre avec un simple couteau. Je tortille, je scie, j'ai un marquage de fait sur la partie arrière, c'est tout, une petite marque, ça suffit. D'accord. Une ablation et voilà, en cas de contrôle, les gendarmes voient qu'on respecte. C'est tout, c'est un petit peu comme une checklist. Hein. Les gendarmes disent bien, ils vont vérifier le poisson est marqué, ils vont vérifier qu'on a les combinaisons sur soi ou des gilets de sauvetage. Donc voilà, tout est pointé, il faut le faire. Sinon, c'est procès verbal et puis on risque assez fort. Un beau poisson. Yes. Premier poisson pour nous, un beau bar pour moi, bien content. Au suivant. On change de spot, cette fois-ci on est sur des gros blocs rocheux qui ont également des crevasses, mais il y a surtout pas mal de poissons qui se promènent. Je regarde rapidement dans ces crevasses, je ne vois rien d'intéressant donc je décide de continuer. Et là j'aperçois un poisson, un mulet. Et il est complètement séché, c'est un très beau mulet d'une très belle taille, il est plus grand que mon bar, ça fait plaisir. Après ce beau mulet, je continue mes apnées dans le même secteur en espérant croiser un bar.
Rien d'intéressant pour le moment, mais quand je me retourne, il était là, derrière moi. Un bar. Il m'a bien repéré et il s'enfuit. Je décide vraiment d'insister ici parce que c'est très prometteur. Il y a beaucoup de poissons qui se promènent, que ce soit des mulets, des dorades ou quelques barres. Ici, je regarde rapidement dans quelques cailloux, mais je ne vois rien d'intéressant. Quelques petites vieilles, mais bon, c'est pas très intéressant. On voit des vieilles encore qui se baladent, des beaux mulets qui passent. Je décide de ne pas les tirer, car je veux vraiment optimiser mes chances sur les barres. Mais non, pas de barres pour cette apnée. Je continue encore dans ce secteur à la recherche de beaux poissons. Et pour le coup, là, il y a un très beau mulet qui me passe à portée de flèche, mais je ne le tire pas pour les mêmes raisons. Rien d'intéressant le reste de l'apnée, mais sur la fin de mon apnée, il y a un petit lieu qui vient me voir. Il doit faire sûrement la maille, mais c'est trop petit quand même pour être tiré. L'apnée suivante, par contre, je vais faire une pêche très originale. En effet, j'aperçois un fil de pêche dans le courant, et je me dis qu'il doit sûrement y avoir un leurre au bout, vu la difficulté du terrain, et bingo, un beau petit leurre, il sera bien mieux avec moi que dans le fond de l'océan. Changement de spot, l'occasion pour moi de sortir le drone et de vous proposer des superbes prises aériennes. J'ai enfin investi dans ce matériel pour améliorer grandement la qualité des vidéos, alors j'espère que vous apprécierez ces belles prises de vue qui donnent vraiment une perspective magnifique à la vidéo. Allez, c'est reparti, j'arme l'harpon pour débuter de nouvelles apnées. Et pour le coup, l'eau ici est beaucoup plus claire, avec un fond tapissé de laminaire. Les poissons se réfugient à l'intérieur, et c'est vraiment chouette. J'essaye vraiment de palmer très discrètement au-dessus des laminaires pour surprendre les poissons. Mais pour le coup, c'est moi qui vais me faire surprendre. Je loupe ce très beau mulet avec un tir un petit peu trop au-dessus. Dommage. Autre apnée, cette fois-ci dans les sargasses, ça réserve souvent de belles surprises car les poissons viennent s'y reposer pour digérer. Même technique que pour les laminaires, il faut vraiment avancer très discrètement pour surprendre les poissons. Pas de poisson de repérer jusqu'à ce qu'un beau banc de petits bars vienne me rendre visite. Il y a également quelques mulets, mais je ne veux pas tirer pour voir s'il n'y a pas des plus gros spécimens. Mais non, il n'y aura rien de plus. Je continue de réaliser quelques apnées dans les sargasses, parce que je vois quand même quelques poissons qui se défient de loin, alors je reste confiant. J'aperçois notamment beaucoup de dorades grises, qui gardent souvent la distance, alors je me dis qu'en étant bien caché, peut-être que je vais réussir à en surprendre une. Et bingo, j'en aperçois une très belle qui s'approche droit sur moi. Je me prépare, mais elle gicle quelques secondes avant que je la puisse la tirer. Dommage. Pour le dernier spot de la journée, Marc-André nous emmène dans un endroit absolument magnifique, c'est une épave.
Cette fois-ci, c'est beaucoup plus profond que les spots précédents, mais l'épave est très très grande, très diversifiée, et on va vraiment y chercher des gros poissons qui viennent s'y réfugier. Et pour ne pas le citer, bien sûr, on va chercher les barres. Ici, j'ai un beau mulet qui me passe à portée de flèche, que je ne tire pas pour ne pas effrayer de possibles barres dans les alentours. Mais rien pour cette première apnée. J'ai pas l'habitude de plonger à de telles profondeurs, donc je me suis bien préparé, bien ventilé, et on est reparti pour une deuxième apnée. Et là, par contre, on tombe vraiment sur le cœur de l'épave, plein de structures, avec énormément de cachettes pour les poissons. On peut voir qu'il y a beaucoup de petits tacos, des poissons qui adorent les épaves. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres poissons en vadrouille. Si on doit en chercher, va falloir mettre la tête dans les structures pour essayer de les trouver. Ça reste tout de même absolument magnifique, c'est un très beau spectacle, ça fait vraiment plaisir. Troisième apnée, cette fois-ci je décide de regarder un peu plus en détail dans les structures pour voir s'il y a un poisson qui s'y cache. Quand on regarde dans ces trous, des fois on va ne rien voir du tout, mais des fois on va voir la tête d'un gros poisson, et là c'est cool. Pour le coup dans celui-ci, il n'y a rien. Et derrière moi, il y a toute une structure en hauteur avec des grandes cales tout en profondeur. Je m'approche un peu. Je vois pas de poisson se balader. Du moins, pas de poisson intéressant. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Hein. On peut voir ces différents étages. C'est vraiment des hôtels à poissons. Pas de poisson de repérer pour cette apnée. J'ai réalisé d'autres apnées qui n'ont rien donné, alors je me décale un petit peu, je vais voir une autre partie de l'épave pour voir ce que ça donne. Et là, qu'est-ce que j'aperçois pendouillé sur l'épave ? Un leurre, et en fait il s'agit d'une petite mitraillette, je suppose, s'il y a des amis pêcheurs parmi vous, vous pouvez me confirmer ou non. Donc bah comme le leurre tout à l'heure, hein, j'enlève tout, c'est mieux avec moi que dans l'océan. Et cette fois-ci on passe sur la caméra de Marc-André qui lui va se régaler, malheureusement elle est un petit peu basse, mais là il y a un gigantesque banc de barre devant lui, il va en tirer un, et il va le faire. Mais il n'est pas si bien fléché que ça, il est un petit peu haut, alors pour sécuriser, il va me demander de le doubler. J'étire un peu dans l'eau, est-ce que tu peux le doubler ? Voilà, là au moins, on est sûr qu'il partira pas. Et comme on peut le voir, c'est vraiment un très beau poisson, un bar d'à peu près 3 kg. Ah là, d'accord. Un petit. Ça c'est un tout petit bar. Un petit. Eh merci, j'ai pas très bien tiré. Hein. Il y a tout un banc là qui tourne sur le fond. Magnifique. Oh Léon, qu'est-ce qu'il est bon. J'hésitais à le tirer, je trouvais petit. Et il est plus gros, puis finalement, tu vois, il est correct. Regardez comme c'est beau. Le soleil est en train de se coucher sur la mer. On est encore en bateau. Les gars sont encore en train de plonger, donc je suis sorti pour vous montrer le bar qu'a fait Mam. Il y a pas mal d'épaves avec des structures, c'est magnifique. Et Mam a réussi à faire un magnifique bar. Alors lui il dit qu'il est pas très gros, parce qu'il a l'habitude de faire des gros poissons. Mais on va pas se mentir, regardez ça. C'est loin d'être un petit poisson. Forcément, c'est un beau poissonnet. Un beau poisson, à peu près 3 kg il est estimé par Mam. C'est vrai? Eh ben j'arrive. Mam vient de me dire qu'il y a encore plein de gros bars qui sont à trous. Alors j'arrive, je me remets à l'eau. Mais Marc-André n'en a pas fini, il y retourne et il va surprendre un très beau bar dans la structure.
Et là, tout de suite, dès qu'on tire un poisson dans les structures, faut aller le chercher, parce que sinon, on peut le perdre. Et là, même si le poisson est bien tiré, il est encore puissant. Donc c'est vraiment important de bien le sécuriser juste après le tir. Oh, il bougeait pas dans la flèche, j'ai craqué. Un petit bar au coucher du soleil. Marius, chasse le bar. Alors là, j'ai vraiment bloqué la flèche dedans, elle peut plus bouger. Là, tu l'as tiré par au-dessus ? Par-dessus, en fait, là, il y a une structure avec des très gros barres. Donc je voulais pas les tirer dedans, je suis remonté, j'ai prévenu les stagiaires pour qu'ils voient, mais ils ont pas réussi, c'est un petit peu de profondeur. Et donc comme le coucher de soleil arrive, je me suis dit bon, je vais redescendre. Je suis redescendu, là il y en a une qui est sortie un peu de la structure, qui a sorti sa tête, c'était trop tentant. Donc je l'ai piqué par-dessus, sans toucher les gros dedans. Voilà, en général je tire très peu les poissons dans les structures, dans les trous, parce que bon voilà, c'est des zones, un peu des sanctuaires où ils se regroupent. Et après ces beaux poissons, on est rentré tranquillement au port. Maintenant, place à la cuisine de mon bar. Je sens que je vais me régaler. Et on se retrouve en cuisine avec notre très beau poisson. Le bar que j'ai attrapé et que j'ai pêché à trous. Alors on va le préparer pour ce midi. Il va me faire plusieurs repas, ça va être délicieux. J'en ai déjà l'eau à la bouche, c'est vraiment un poisson qui est incroyable. Là, vous l'avez vu, je l'ai mis sur un lit de papier aluminium. Pourquoi ? Parce que je vais le préparer en papillote. Alors, souvent en papillote, on prépare des poissons de plus petite taille parce que c'est plus pratique. Mais là, j'avais vraiment envie de le mettre à l'honneur. Donc, j'ai bien préparé un beau lit de papier aluminium et j'ai à côté de moi tout plein de bonnes choses qu'on va mettre dans l'aluminium avec le poisson pour que ça cuise en même temps, pour que ça infuse avec plein de saveurs. Bon, bien sûr, j'ai le classique, le romarin du potager, le thym du potager, j'ai également du laurier qui vient aussi de, du potager, entre guillemets. J'ai un petit assemblage de pommes de terre du potager, de tomates qui ne sont pas du potager parce qu'on est encore un peu trop tôt en saison, mais il y en a beaucoup qui vont arriver. Et j'ai également 2-3 échalotes que j'ai ciselées. On va mettre tout ça dedans, ça va cuire en même temps, ça va infuser, en fait, ça cuit un petit peu à l'étouffée dans papillote. Et ça va être super, du sel, du poivre, du piment, de l'huile d'olive, bref, que des bonnes choses. Donc c'est parti, on va déjà commencer par badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive. Là, voilà, un bon poissonnet, aussi un peu à l'intérieur. C'est vraiment un beau poisson, ça fait plaisir. Putain, ça va être vraiment bon. Ce qui est vraiment super en papillote, c'est que vu que toutes les saveurs restent dans le papier aluminium, et ben c'est vraiment la chair est parfumée vraiment en profondeur. Donc faut pas hésiter à en mettre un petit peu de bien parfumer tout ça. Voilà. Pareil avec le romarin. On va mettre également du gros sel, ça c'est important. Le poisson, bien dessus. On va en mettre également à l'intérieur. Voilà, impeccable. Du poivre. Pareil, à l'intérieur le poivre. Pas trop parce que ce serait dommage que ce soit trop poivré. Le piment d'Espelette du potager, qui m'en reste de l'année dernière, ça c'est du piment que j'ai fait l'année dernière. Et quand c'est bien séché, bien torréfié, ça se conserve très très bien. Et donc ensuite, des tomates, des pommes de terre, des échalotes qu'on va mettre dedans, donc ça va faire un... On va pouvoir tout déguster en fait, ça sera très très bon. On va mélanger ça d'abord, on va mettre les pommes de terre, on va mettre ça un peu partout autour. Là, on a un plat qui est visuellement magnifique. Quand je vous disais que c'était beau, regardez. Des pommes de terre, des échalotes, des tomates, plein d'aromates, un beau poisson. Tout ce qu'il faut pour avoir un bon repas à coup sûr. Là, on est certain que ça va être très très bon. Et maintenant, dernière étape. On va tout refermer, on va bien l'envelopper et après ce sera direction le four. Maintenant on va mettre ça au four, alors je sais pas vraiment combien de temps ça va devoir cuire, je vous tiendrai au courant. Mais là j'ai mis mon four à peu près à 190 degrés, faut pas forcément le mettre trop chaud, faut que ça cuise assez doucement. Mais bon voilà, on verra bien, forcément le temps de cuisson dépend énormément de la taille du poisson évidemment. Donc je verrai bien, en attendant je vais aller cueillir des haricots verts dans mon potager pour manger ça avec. Comme ça on aura un repas quasiment fait entièrement de mes mains, qui en plus est très très sain, donc c'est le top. C'est parti.
Et c'est parti pour la cueillette des haricots. Regardez, il y en a partout. Bon, cette année c'était compliqué quand même parce qu'il a fait très très chaud. Mais bon, on va réussir à récolter les premiers haricots. En plus, ceux-là, ils vont être délicieux. Avec le bar, ça va être incroyable. Bon, je pense qu'avec tout ça, ça devrait le faire. De quoi faire un bon repas. Ça m'étonnerait que je mange tout quand même. Mais les haricots verts du potager, c'est tellement bon, c'est tellement fondant. C'est difficile de s'arrêter quand même quand on commence à les manger. Bon allez, on va les équeuter, puis après on va les déguster ça quand même. Voilà. Bon, ça a cuit à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. On va pouvoir ouvrir ça. Ça sent trop trop bon. Regardez ça. C'est pas beau. Le jus qui est là-dedans, tout est cuit. C'est délicieux. Un beau poisson. Mais regardez ça. Cette chair. C'est tendre, c'est cuit, c'est magnifique. On est obligé d'adorer ça quand même. On va découper ces morceaux de chair absolument incroyables. Regardez ça. Ce pavé de viande que je sors là. Bon, je pense que je les ai mérités quand même parce que c'était quand même une très dure journée, très longue. Ce poisson, je suis allé le chercher. Bon, il n'était pas très très profond, hein, ce poisson, comme vous l'avez vu. Il était dans 3-4 mètres d'eau, même pas, mais il était à trou. Et quand ils sont dans un trou, il faut les voir, il faut pouvoir les tirer, parce que bon, bah, ils sont bien cachés, hein, les bestioles. Ils sont pas folles. Hein. Et ça, sans déconner, croyez-moi, c'est un plat ou un restaurant que vous payerez une fortune. Et ben moi, j'ai eu ça, entre guillemets, gratuitement, parce que bon, je vais quand même aller chercher. Hein. Une journée en bateau en mer, c'est épuisant et ça se mérite. Et ça n'a pas de prix, quand même, parce que ça... Ça vaut tous les repas du monde, quoi, sans déconner, c'est trop beau. Ça, c'est des haricots verts qui sont tout frais. Je les ai récoltés il y a quoi, 30 minutes. Ils ont juste cuit à l'eau. On va mettre ça dans l'assiette avec les tomates et les pommes de terre. Ça fera un petit assortiment de couleurs et de saveurs. Et moi, je vais me péter le bide. Mais genre, vraiment, là c'est prévu. Faut pas venir me parler pendant les 2-3 prochaines heures parce que je vais dormir. Regardez ça. Ce poisson d'une fraîcheur incroyable, cette assiette de légumes qui est du dingue, bah voilà, c'est le repas des dieux, hein, presque, j'ai envie de dire. Bon, est-ce que je vous fais une dégustation si vous n'avez pas encore déjà assez faim? On sait que ça va être délicieux. Je vais faire l'étonner. Oh, c'est vraiment bon! Non, non, Marius, on le savait déjà. Toujours trop bon. Petite pomme de terre pour le rab. J'adore cette recette. Alors, en papillote, ça peut très bien aussi se faire au barbecue. Ça peut se faire de plein de façons différentes. Mais vraiment, ce qui est incroyable avec la papillote, c'est que le poisson cuit, entre guillemets, à l'étouffer dans son jus, et que donc toutes les saveurs des aromates vont être restées à l'intérieur, et que le poisson ne va pas être très sec. Au barbecue, le poisson serait plus sec, forcément. Avec des saveurs différentes, des saveurs plus fumées. Mais là, comme ça, c'est vraiment très bon. Bon, faut avoir un peu de papier aluminium, parce que quand on prêche un gros poisson, bon, bah voilà, faut mettre la dose. Mais sinon, pour des petits poissons aussi, c'est très bien. Voilà, voilà, bon allez, moi je vais quand même aller manger tout ça, parce qu'il va falloir avaler tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore un grand merci à Marc-André pour m'avoir emmené sur son bateau pour cette journée de pêche absolument incroyable. N'hésitez pas à aller visiter son petit site internet si vous êtes curieux d'apprendre un peu plus sur la chasse sous-marine. Il fait des cours d'apnée, des cours de chasse sous-marine, il fait plein de choses. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez toujours contacter Marc-André pour quelques cours. Il sera content et vous verrez, vous allez apprendre pas mal de choses. Et puis ben voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous encore une fois. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour de prochaines aventures. Bisous, bisous. Bon allez, à table. C'est le meilleur de la vidéo ça en fait. Mais ça, vous n'allez pas le voir.